Baccalauréat général, baccalauréat technologique. Oh, je l'aime! Putain, je l'aime! Oh. Once you bit twice, fellow, you could find it nice. Ça n'intéresse pas à la politique? Bah non. Moi j'aime bien les tracts, tu vois, j'ai besoin du contact humain. What you take me for? Je suis licencié. Take me for. Tu crois que c'est le moment d'avoir des goûts de luxe? Take me for, honey. Tu m'invites où je délire? Bon. Pourquoi tu fais ça si tu veux, Patrick? Pour que les gens se posent des questions. Alors l'origine de cette histoire, c'est deux choses très 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 anciennes. C'est que moi j'avais envie de faire un film sur, enfin de restituer un peu le des choses que j'avais éprouvées quand moi j'étais adolescente et que j'étais passée du collège au lycée. Et que j'avais quitté complètement, j'avais voulu faire une section cinéma au lycée, et donc du coup j'étais pas allée dans le lycée où c'était prévu que j'aille, et où du coup je m'étais retrouvée dans un milieu complètement différent du mien, un milieu beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus cultivé, beaucoup plus et où du coup moi je vivais. Voilà, c'était une période pas très facile, plus l'adolescence et tout, et où c'était à la fois intéressant de rencontrer des gens différents de là d'où on vient, mais où en même temps, tout d'un coup, on se rend compte que bah voilà, que finalement le monde, il se résume pas juste à son lotissement et à l'endroit où on habite, mais qu'il y a plein d'autres gens, plein d'autres. Il y a plein de différences, plein de clivages, plein de... Voilà. Et l'autre chose, c'était que j'avais participé activement, ça aussi c'est très très vieux, à un mouvement de chômeurs, donc c'était en 1998, et où ouais, j'étais très impliquée dans ce mouvement. J'avais l'impression que ce mouvement allait complètement changer le monde. Et ça n'a pas été le cas. Et là aussi, j'avais rencontré des gens. Moi, j'étais un peu politisée. Mais enfin, voilà, je croyais vraiment surtout beaucoup à l'action collective. Et en étant dans ce mouvement, j'ai rencontré des gens très plutôt du milieu syndical, et puis aussi ce qu'on appelle un peu classiquement des autonomes et tout ça. Et là, c'est pareil, ça a été pour moi une période un peu avec plein de nouvelles questions, plein de choses qui se sont passées dans ma tête. Et j'ai eu envie de... Bah finalement, l'histoire d'Audrey, elle s'est imposée un peu avec ces deux... avec ça, quoi, ces deux éléments-là. Et du coup, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'une fille qui sort de son cocon. On va peut-être bouger avec Lucie en Grèce. Alors vous voulez organiser des débats et des expos, et 2 heures après, vous êtes en Grèce? Ouais. Pour choper des trucs, pour ici. T'as les idées courtes, quand même. Bah ouais, mais ça va peut-être nous donner des idées pour faire évoluer le Graal, quoi. Et vous partez quand? On sait pas encore. Vous y allez comment, en stop? Ouais. En stop? Ouais. Vous êtes pas rendus, les gars? Bah pourquoi? Bah parce que vous allez mettre 15 jours, on est en plein hiver, ça marche pas, le stop. Ouais, bien sûr que si, ça le fait tranquille. Bah attends, il caille à mort, et de toute façon, le temps d'arriver là-bas, tout sera fini, mec. Mais non, ils sont carrément chauds là-bas, y a pas de problème. Ça, ils sont trop chauds, ils vont se faire calmer comme partout. Hein. Ah, peut-être qu'il se passera quelque chose ici aussi. Bien sûr, ouais. Autant respirer la tête sous l'eau. Ça fait 50 ans qu'il se passe des trucs, mais en fait, il se passe jamais rien, tu vois. N'empêche qu'au moins, vous allez vous balader, quoi. Vous allez voir du pays. Mais en fait, c'était donc pour la plupart des jeunes gens qui avaient envie de devenir comédien, mais qui avaient... pour la plupart, oui, vécu quand même des choses comme ça à la marge, quoi. C'est-à-dire, en étant comédien, ils étaient dans des expérimentations qui sont... donc, qui étaient plus des expérimentations artistiques que des expérimentations politiques, même si souvent, ça se rejoint. Mais en tout cas, moi, je les ai choisis parce que, justement, je voulais pas que ce soit des vrais squatteurs, parce que je voulais pas qu'on passe notre temps... sur le tournage, à s'engueuler sur « Non, toi, t'es trop vieille, t'en sais rien, un squat d'aujourd'hui, c'est pas ça. Je voulais pas que... Je voulais qu'on soit vraiment dans une construction commune du groupe
et du lieu squat. Et donc, j'ai cherché vraiment des comédiens qui soient pas à des années-lumière, de, justement, idéologiquement et même dans leur vie, qui soient pas très loin de justement de la vie en squat et tout, mais en même temps qu'ils soient dans une envie d'être comédien, c'est-à-dire de pas être collé sur voilà la réalité, dans la vraie vie c'est comme ça, blablabla. Donc c'est comme ça que j'ai constitué le groupe. Moi je tenais vraiment vraiment aussi à cette idée de groupe. Il fallait que je me disais ce lieu il ne va fonctionner que s'il y a vraiment un vrai groupe humain qui l'incarne. Hey, restez bien, j'espère. Vous avez fait quoi? On a repris la CGS. C'était excellent. Et vous avez écrit quoi? On a tout repeint en noir. Pourquoi juste en noir? Parce qu'on avait que ça comme peinture et on s'est dit noir, c'était chouette. Mais c'est nul de rien écrire, ils peuvent penser que c'est n'importe qui. Ah ça va, noir c'est clair, non? Mais il fallait écrire ce qu'on défend, ce qu'on propose. Ça sert à quoi les actions comme ça? Ça sert à quoi de peindre pour peindre? Ça va Nicolas, tu nous saoules. Mais quel sens ça? Je suis quand même pas le seul à trouver ça débile ici. Symptomatique. Toi, je veux pas t'entendre, d'accord? T'es là juste parce qu'il y a à bouffer, parce qu'on est les seuls à écouter tes conneries, alors tu me juges pas! Et après, aussi, on a eu beaucoup de discussions politiques, ensemble, enfin beaucoup, on en a eu quelques-unes. Et puis, je leur ai proposé à certains moments de faire des improvisations. Je leur disais, bon bah voilà, imaginons qu'il y a des élections présidentielles demain il est vraiment question que Marine Le Pen gagne le deuxième tour. Voilà, vous discutez de ça. Et avec, voilà, évidemment, c'était moi, de toute façon, les élections, voilà, c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, je voterai pas. Les autres disaient, ouais, bien sûr, les élections, c'est de la merde, mais il faut quand même, là, on peut pas laisser passer ça. Et donc on a... Voilà, on a créé ensemble ce groupe. Et puis j'ai enregistré certaines des improvisations qu'après j'ai retranscrites et ils ont rejoué à partir des improvisations. Tu voles toi aussi? Non. Tu fais comment pour le fric? Bah, je bosse un peu l'été puis mes parents m'enfilent un peu. Putain, mais y'a que moi qui bosse au Graal en fait. Bonjour, bienvenue chez Quick, Daphné à votre service. Quel menu avez-vous choisi? Mais... C'est la seule phrase en fait, au bout de 7 heures de boulot, t'entends encore le ding quand tu rentres chez toi. T'as plus envie de parler à la personne. Mais t'es à la caisse? Non. J'étais, enfin, soi-disant que j'avais pas le profil, donc ils m'ont mis au grill en fait. Mais j'entendais quand même les commandes du drive. J'ai lu une phrase géniale. On n'a pas trouvé à ce jour meilleure méthode disciplinaire que le salariat. Il y a plus de travail pour tout le monde. Enfin, je veux dire, François Hollande a proposé inverser la courbe. Bon, formidable. Déjà, il n'y arrive pas, sauf en traficotant les chiffres du chômage. Mais de toute façon, admettons qu'il y arrive en ne trafiquant pas les chiffres du chômage, ce qui fait quand même beaucoup d'admettons. De toute façon, il y a quand même une part immense de la population qui est complètement sur le carreau. Et je veux dire, bon, du coup, on fait quoi? Donc moi, c'était ma question en 98. C'était ma question... Enfin, c'est tout le temps cette question-là, quoi. Je me dis... Et du coup, il y a un moment, c'est normal que... on se prend pas... On se pose vraiment pas les bonnes questions par rapport à ça. Donc les clivages, ils sont de plus en plus énormes, donc forcément que ça pète. Plus ça pète, plus la répression, elle est forte. Plus, enfin, on est dans une espèce de spirale qui m'inquiète. Et ça m'inquiète parce que je suis pas une révolutionnaire, je suis une réformiste, que je crois quand même à... je crois aux politiques... Et que je sais plus, je sais vraiment plus là. Enfin, ça fait un bout de temps que je sais pas. Mais alors là, donc on est en 2016. Là, l'espèce de truc dingue là de la loi travail, le 49.3, le machin. Enfin bon, je veux dire là, moi, presque, je suis bavarde, mais là, je crois qu'en fait, je un peu plus rien à dire.